Eh bien oui, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans votre espace favori, personnages du coin, où nous recevons toujours des personnages les uns les plus intéressants que les autres. Effectivement, nous sommes dans le cadre de la semaine de la francophonie. Pour célébrer cette semaine, nous donnons la parole au professeur de FLE en entretien exclusif. C'est dans cette optique que nous avons avec nous une professeure de FLE très intéressante. Elle s'appelle Floriane Seguela. Elle vient directement de la France. Maintenant, elle évolue comme professeure de français à l'Alliance française de Saint-Domingue. Je pense que c'est une grosse aventure qu'elle est en train de mener. Elle va nous dire beaucoup plus que ça. Bonsoir, Floriane. Comment ça va? Bonsoir, Jean-Johnny. Très bien. Merci de me recevoir. Ça va et toi? Ça va bien, ça va encore mieux puisque nous avons une professeure de français dans nos studios. C'est très intéressant. Alors, Florian, et te voilà en République dominicaine, professeur de FLE. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Alors, le FLE, effectivement. Moi, j'ai pas toujours été professeur de FLE. Mais c'était quand même quelque chose qui m'intéressait à la sortie du bac, et puis j'ai opté pour une autre option d'études. Et voilà, quelques années, je me suis réintéressée à cette carrière professionnelle parce que j'avais quand même le désir de transmettre et le désir aussi de pouvoir m'expatrier sur des séjours plus ou moins longs à l'étranger, parce que je suis une grande aventurière dans l'âme. J'aime beaucoup être au contact de nouvelles cultures, me découvrir à travers d'autres cultures. Et voilà, et donc j'ai postulé à différentes alliances françaises parce que je voulais vraiment tester l'aventure dans une alliance française pour voir ce que c'était qu'être prof dans ce type d'institution. Et donc l'Alliance française de Saint-Domingue m'a laissé mon opportunité, m'a ouvert ses portes. Alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est très intéressant tout ça, mais voilà. Depuis combien de temps tu es prof de FLE? Depuis combien de temps est-ce que tu as dit que tu avais une carrière avant, mais depuis combien de temps tu t'es investi dans le métier de prof de FLE? Eh bien, je dirais depuis 2019, de manière informelle, j'ai commencé à donner des cours un peu comme ça, pour voir déjà si réellement ça me plaisait, un peu de manière empirique, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, que j'avais besoin de ressources, de méthodes, de méthodologie. Et donc, j'ai décidé de suivre une formation. J'ai suivi une formation en ligne pendant un an. Et cela m'a permis de pouvoir envisager la préparation d'un cours, d'un point de vue didactique notamment. Et puis, donc, je dirais que je suis officiellement prof de FLE depuis 2020, depuis la Ah, sortie du intéressant, très intéressant. Nous sommes en plein mois, disons, en plein mois de la francophonie, en pleine semaine de la francophonie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la francophonie? Est-ce que la francophonie, disons, présente de nombreux avantages, pas seulement pour toi, en général, pour tous ceux qui parlent français, est-ce qu'il y a des avantages ou est-ce qu'il y a des inconvénients aussi? Alors, tu veux dire au moment de lorsqu'on enseigne ou de manière générale? Voilà, comme enseignant, qu'est-ce que ça, le fait que tu es professeur de français, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et le fait que tu parles français aussi, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on enseigne une langue, mais ça nous donne aussi l'opportunité d'enseigner différentes cultures et de nous-mêmes nous familiariser avec des cultures qui ne sont pas forcément proches des nôtres. Le point commun qu'on a avec les pays francophones, c'est la langue, mais ce n'est pas nécessairement la culture. En Haïti, on parle français, au Canada, on parle français. Et pourtant, en Suisse, on parle français, et pourtant, on n'a pas du tout la même culture. Donc, c'est intéressant aussi en tant que prof de français de pouvoir justement se plonger dans des cultures qui sont différentes des nôtres, tout en ayant un point commun. Moi qui adore les cultures, je trouve ça intéressant justement d'à travers la transmission. Pour la transmission de connaissances que je peux apporter à mes élèves, moi, m'en transmettre aussi, moi, continuer d'apprendre aussi. Donc, pour moi, la francophonie, c'est vraiment intéressant pour justement continuer de resserrer les liens avec des cultures qui, a priori, n'ont pas de point commun avec la nôtre, si ce n'est la langue. Et je trouve que la langue est déjà un point très important parce que la communication permet de se comprendre. Et parfois parler la même langue, même si on n'a pas la même culture,
ça rapproche énormément. Je peux le sentir, par exemple, avec des personnes, des collègues à moi qui sont haïtiennes, donc c'est leur langue maternelle. On n'a rien à voir en termes de culture, mais on se comprend beaucoup plus que si je parle avec une personne qui serait d'une autre langue que la mienne, par exemple. En tout cas, là, on pourra se comprendre, mais ça prendra plus de temps. Donc voilà, je trouve que c'est fédérateur. Très bien. En fait, être dans un pays étranger, ça demande du courage, ça demande de la résilience. En fait, comment ça se passe pour toi au niveau de l'adaptation, puisque en République dominicaine, c'est toi qui apportes le français. Ils ne parlent pas français, c'est pas un pays francophone. Comment ça se passe au niveau de l'adaptation? Alors, tout dépend des milieux dans lesquels on se trouve, tout dépend des environnements. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le travail, c'est que finalement, c'est un peu la France dans cette jungle urbaine qui est Saint-Domingue. Et c'est vrai que les personnes qui se rendent à l'Alliance ont cet intérêt et ont cette ouverture d'esprit et ont cette démarche de vouloir connaître. Quand je sors de mon travail, les gens n'ont pas forcément d'intérêt à me connaître parce que je suis la prof de français, parce que je peux leur apprendre d'où je viens, etc. Il n'y a pas forcément cette curiosité ni cet intérêt. Donc, une zone de confort au travail, une zone d'un peu moins de confort et d'adaptation plus évidente et plus forte quand je suis dans la ville, en fait, quand je ne suis pas dans mon travail. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un équilibre à trouver. Entre le fait de savoir que quand je suis au travail, c'est les autres qui s'adaptent à moi, en quelque sorte, c'est les autres qui posent des questions, et quand je suis en dehors du travail, c'est moi qui pose des questions, c'est moi qui essaie de comprendre comment ça marche. Quel est le plus difficile parmi les deux? Quand c'est toi qui poses la question ou quand c'est les autres qui posent la question? Émotionnellement, je pense que c'est quand c'est moi qui pose des questions et que c'est moi qui essaie de décortiquer les OK. manières de penser d'ici, les manières de fonctionner, d'agir, d'entrer en relation avec l'autre. Voilà. Je trouve que le plus difficile, c'est de soi aller vers l'autre plutôt que le contraire. Très bien. Qu'est-ce que tu penses que le français peut apporter pour un Dominicain maintenant qu'il est Dominicain, il parle français? Qu'est-ce que ça peut lui apporter comme bagage supplémentaire? Alors, au-delà de, bien sûr, pouvoir voyager dans un pays francophone, de pouvoir trouver un travail dans un pays francophone, de pouvoir aspirer à une carrière d'expatrié à son tour, je pense que l'apprentissage du français, mais je l'étendrai même à l'apprentissage d'une langue en général, ça permet d'envisager le monde et la vie d'une autre manière. Parce que quand on n'a pas eu l'opportunité de sortir de son pays, mais que d'autres personnes viennent dans notre pays pour nous enseigner une autre façon de voir les choses, c'est une opportunité aussi pour se rendre compte qu'il y a d'autres manières de penser, qu'il y a d'autres manières d'entrer en relation avec les autres, qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Quand on décortique, par exemple, dans certaines, je sais pas, certaines règles de grammaire ou certaines structures, logiques structurales en français, ça explique aussi une manière de penser, une manière d'être. Et le fait de s'intéresser à ça, ça permet de mettre en perspective ce que moi, comme Dominicain, je sais déjà et mes croyances finalement. Ça peut être l'apprentissage d'une langue peut ouvrir de manière holistique, je dirais, le champ de vision de comment je suis et qui je veux être aussi, tout en gardant sa dominicanité, si je peux dire. Mais avoir aussi une espèce d'ouverture d'esprit, une espèce d'ouverture de considération des choses et de l'autre aussi. Peut-être développer des compétences d'adaptation, de tolérance, de compréhension, de solidarité, pourquoi pas. Voilà, en fait, des choses dont on n'aurait jamais pensé, auxquelles on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas eu cette confrontation avec quelque chose qui est intrinsèquement différent de nous. Très bien, je pense que ce que tu dis là, c'est très puissant. Le fait de pouvoir confronter la culture, c'est ce qui rend des fois la vie très intéressante. La langue, c'est pas seulement juste pouvoir dire bonjour, mais c'est aussi apprendre la culture, comment on mange de l'autre côté, comment on fait la fête de l'autre côté, tout ça. Donc, j'aime bien le fait que tu dis, il peut apprendre le français tout en gardant sa dominicanité. J'aime bien ce mot. C'est le côté dominicain, c'est-à-dire, j'aime bien. Et est-ce que, par exemple,
un Dominicain qui veut apprendre le français, est-ce que tu as des conseils à lui prodiguer rapidement? Alors, des conseils, oui, bien sûr, ben, c'est ce que je dis aussi à mes élèves de toute façon, c'est que il faut clairement avoir une motivation, un intérêt, un objectif, même s'il est à long terme. Et d'apprendre, de comprendre les règles de grammaire, d'être studieux et de réviser ses leçons, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment de soi-même chercher davantage. Et je trouve, moi personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, c'est écouter de la musique en français, s'intéresser aux paroles, chercher les paroles, essayer d'écouter des émissions de radio. Alors peut-être, par exemple, je ne sais pas si je peux la mentionner, mais bon, il y a une application de radio en ligne qui propose différentes émissions, notamment pour les enfants. Et quand on commence, bon, ben je pense que moi, j'ai jamais eu de problème avec mes élèves et moi non plus, de se remettre un peu dans un contexte un peu enfantin pour avoir accès à des contenus qui sont quand même compréhensibles pour pas se faire peur. C'est pas la peine de vouloir écouter des récits philosophiques alors qu'on n'a pas le niveau. Mais par contre, voilà, écouter des émissions de radio, écouter la radio peut-être pour un niveau de français adapté au sien. Regarder des films sous-titrés peut-être alors en version originale, donc en version française, et sous-titrés pourquoi pas dans la langue d'origine au départ, puis petit à petit sous-titrés en français, puis petit à petit plus sous-titrés. Voilà, pour moi, c'est l'exposition à la langue, elle est très importante. Donc lire des livres, même si c'est des livres pour enfants, toujours s'exposer à la langue de manière visuelle ou auditive, c'est très important. Et moi, j'adore la musique, par exemple, et je sais que ça m'a beaucoup aidé pour apprendre l'espagnol, par exemple. C'est très bien, c'est très bien. Alors, merci pour ces bons conseils que tu as prodigués à tout le monde, aux Dominicains, au monde entier, hein, à tous ceux qui veulent apprendre le français. Il faut s'intéresser à tout ce qu'il y a dans la langue, de la musique, du cinéma, tout. Écouter les gens parler, essayer de comprendre, poser des questions. C'est-à-dire, il faut avoir de la curiosité. Pas seulement étudier les règles, comme tu as dit, mais il faut aussi faire preuve de curiosité et ça ira. Alors, Florian, c'était un plaisir de t'avoir comme personnage du coin, dans notre espace et Paroles du coin, et dans cette série de vidéos exclusives pour la francophonie. On était très heureux de te recevoir. Nous te souhaitons une bonne mission en République dominicaine et que, disons, il y a beaucoup de soleil, la mer ne manque pas. Profitez-en en francophonie, quoi. Merci beaucoup, Jean-Johnny. Merci de m'avoir reçu. Et puis, c'était très intéressant aussi de pouvoir partager. D'accord. Au revoir. À bientôt.